Donc, on peut dire que la durée d'un système est un temps. Si donc la durée d'un système, c'est un temps, si nous parlons de la fin des temps, cela signifie que si un système finit, on peut dire que c'est un temps qui est fini. Parce que le temps, le système est composé non seulement d'un temps, mais aussi a pris sa source à partir d'un lieu ou à partir d'un individu. C'est pour cela que les hommes, les esprits humains, créent des systèmes. Et ces systèmes durent un temps et ils disparaissent. Donc cela veut dire que la fin des temps signifie en même temps aussi la fin de tous les systèmes qui avaient cours. Et comme en ce qui concerne l'humanité actuelle, nous sommes dans une période où les hommes ont créé tellement de systèmes et à un moment donné, ils se sont entendus pour qu'il y ait un système gouvernant mondial. Et on a appelé cela la mondialisation. Donc la mondialisation est un système qui prétend englober toute l'humanité et la diriger. Mais comme dans l'homme, il y a quelque chose qui est au-delà du temps. Et donc, qui refuse de se plier aux exigences du temps. Parce que cette chose est éternelle, alors de temps en temps, il arrive que cette chose-là se rebelle et refuse de suivre le système, même si c'est le système dominant mondial. C'est ainsi donc que cette chose qui refuse de se laisser entraîner et dominer par le système, qu'il soit mondial, englobant, cette chose-là crée donc une sorte de contre-évolution, donc une sorte de révolution, et alors accélère à ce moment-là, si ce système, si cette chose-là est puissante, eh bien, cela provoque l'écroulement du système mondial, comme c'est le cas en ce moment, où il y a cette chose qui est à l'intérieur des hommes, quelque chose qui n'obéit pas à l'espace-temps, qui n'est même pas influencé par l'espace-temps, et c'est ça le miracle de la vie. Cette chose qui n'est pas soumise à l'espace-temps, donc à un moment donné, puisque ce qui est né, le système qui est né doit disparaître, au temps favorable donc, cette chose-là se réveille et met fin au système des temps. De telle sorte que, pour un temps, l'éternité remporte la victoire.